Voilà le premier, il arrive. J'adore ça quand les dentiers mécaniques viennent nous rendre visite. Bonjour toi, comment ça va mon petit gars? On va prendre une photo. J'aimerais bien savoir faire ça avec mes dents. Oui, oui, c'est lui qui fait comme toi. Ah, ça y est, il s'en va. Au revoir. À bientôt, dentier. Et les autres, ils ne sont pas là? Ils vont arriver. Et pendant qu'on les attend, nous aussi, on pourrait claquer des dents. Oh pardon, on joue à faire comme les dentiers mécaniques, monsieur Scarabée. Oh, j'ai l'impression que l'on s'amuse beaucoup par ici. Et d'après mon expérience, quand on s'amuse beaucoup quelque part, il n'y a plus de problème. Venez jouer avec nous, monsieur le gendarme. Avec grand plaisir, oui, oui. Monsieur le gendarme, il rit bien trop fort pour jouer au dentier. Bah alors, on n'a qu'à essayer de jouer au statut musical. D'accord. Il ne faut plus du tout bouger quand la musique s'arrête. Oh, ça perd les popettes, ça perd les popettes. Vous êtes si drôle quand vous restez comme ça sans bouger. Monsieur le gendarme rit beaucoup trop fort pour jouer au statut. Bon, et si on jouait à cache-cache? Mais non, ce serait trop facile de le trouver. Oh, j'ai un jeu à vous proposer. Plus personne n'a le droit de rigoler. Mais monsieur le gendarme, vous riez à tout ce que vous voyez. Je devrais arriver à rester parfaitement sérieux. Bon, alors, on dit que plus personne n'a le droit de rire à partir de maintenant. C'est pas juste, c'est Oui-Oui qui m'a fait rire. Maintenant, c'est entre Oui-Oui et monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, c'est vous qui avez gagné. Bravo, bien joué. C'est moi, j'ai gagné, mais j'ose à peine y croire. Vous pouvez rire maintenant, monsieur le gendarme, la partie est finie. Ça perd les popettes. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois... J'ai l'impression que j'ai avalé mon rire. Oh, le rire n'est plus du tout là. Il a dû tomber tout au fond de son ventre. Ce n'est pas grave, monsieur le gendarme. J'ai une idée pour le faire sortir de là. On va essayer de vous faire éclater de rire. Allez, des roues, allez, des roues. Rien de rien. Oh,
Oh, ça non plus, ça n'a pas l'air de marcher. Tu as tout fait pour me faire rire, oui, oui. Mais malheureusement, mon rire ne revient pas. Alors, on va vous emmener dans un des endroits les plus amusants de toute la ville. On va prendre un gâteau glacé à la framboiseille, s'il vous plaît, monsieur Culbuto. Oh, c'est un excellent choix, oui, oui. Oh là, oh, pardon. Laissez passer l'as du dessert glacé. Oh là, pardon. Lui, il va réussir à vous faire rire. Et voilà le gâteau du siècle. Attention. Attention. Merci beaucoup. À votre service. Miam, miam. Délicieux. Oh oui. Ça vous fait rire, monsieur le gendarme? Oh, j'ai bien peur que non, oui, oui. Et je me demande même si je serai encore capable de rire un jour. Je vais rentrer chez moi pour faire une petite sieste. C'est affreux ce qui arrive, oui, oui. On a tous besoin du rire de monsieur le gendarme. Il faut absolument que je trouve un plan à la oui, oui. Arrêtez-vous. J'ai un ami qui n'arrive plus du tout à rire. Est-ce que vous voulez m'aider? Ils n'ont pas l'air très intéressés. Essayons de les entraîner derrière nous. Ça, c'est un spectacle que l'on ne voit pas tous les jours. Oh, dommage que monsieur le gendarme ne soit pas avec nous. Je suis sûre que nous l'aurions fait rire. Oh, oui, oui, les dentiers ne nous suivent plus. Ils continuent tout droit. C'est mécanique chez eux. Viens vite, il faut les rattraper. Écoutez-moi, les amis. Monsieur le gendarme a perdu son rire et nous allons l'aider à le retrouver. Alors, tout le monde ensemble? Oui, c'est très bien. Suivez-moi tous. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tiens, c'est amusant. Une parade de danseurs mécaniques, ça c'est trop drôle. Et voilà la danse des dentiers. Toujours surprenant. Monsieur le gendarme retrouve son rire. Encore un tout petit effort, il faut le faire éclater de rire. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mon rire. Qui veut faire une partie de jongle ballon avec moi? Oui, on veut bien s'amuser. Oh,
On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre. C'est bon là, il est pour moi. Chouette ambiance, ce maudit oui-oui ne s'arrête donc jamais. Ne t'en fais pas, Finot, j'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir. Ah bon? C'est vrai, ça sournoie. Ouais, il suffit simplement de... Enfin, il faut... Enfin, il faudrait... Eh bien... Oh zut! J'ai oublié. Oh. Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon. Tu comprends? Oh, le ballon! Vite, vite! Voilà, oui-oui! Cache le ballon, cache le sournois! Mais je ne sais pas où le mettre! Bonjour les lutins! Vous voulez bien me rendre mon ballon? Un ballon? Quel ballon? Ah oui, c'est ce ballon-là! Merci bien. Vous pouvez jouer aussi, vous savez. Oh, super. Non, enfin, je veux dire... super impossible, bien sûr. Non, non, merci, oui, oui. Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon. D'accord, comme vous voulez. Vous venez? Hop là. On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon. Si oui-oui ne nous avait pas vus. Ne nous avait... Hein? S'il ne nous avait pas vus... Oh oui... Oh. Alors là, je crois que j'ai une idée. Ah. Ne pas être vu, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit. Et voilà de quoi nous rendre invisibles. Oh, et à quoi ça sert, ça? Observe donc un peu. Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça? Waouh! Et voilà! Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer. La règle numéro un des lutins, c'est quoi? Toujours essayer de gâcher l'ambiance! Moi, j'adore jouer à ce jeu! Je me débrouille pas mal, d'ailleurs! Vous voyez, le ballon n'a toujours pas touché le sol! Waouh! Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant! Allez, viens, Zim! Il faut rattraper ce ballon! On va le rattraper! Ton tableau est très joli, Potiron! Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose! J'adore les chouquettes à la crème fraîche! Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter! Tu vois, ça, c'est ma barbe! Oh, mais oui! Oh, je l'aime encore plus maintenant. Bah, oh. Comment? Il s'amuse encore? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Ouais, il a goûté le goûter. Oui. Un très beau goûter? Oh non, c'est dégoûtant. Amène-toi sur moi, ça c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Finot, je suis juste derrière toi. Pousse pas, la porte est fermée. Oh. Qui est-ce qui a parlé? Mais c'est moi, crâne de piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Finot. Moi, je sais bien que ma patte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Allons-y.
Vas-y, mon petit Zim, rattrapons ce panier. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils? Lindy, je te l'ai déjà dit 100 fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Tu vois? Mais incident technique, incident technique. Au secours, à l'aide! Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie, oui-oui? Je n'en sais rien. Mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sent très fort, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quiches aux œufs bien pourris. Impeccable! Pourrais-je prendre tes restes de peinture? Tu peux te servir, mon petit oui-oui! Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret. Oui, c'est tout à fait ça, mais j'aurais besoin de vous. Voilà, ça sent bien fort, Berk. Quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines? On dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui. Et des quiches aux œufs pourris. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Oh là là, oh là là. Surpris, la main dans le sac. Vous êtes rouge de honte ou alors vert d'orage. Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quiche aux œufs pourris. Comment peux-tu être aussi cruel avec nous? Dis-nous, t'as un petit peu de peinture sur toi. Sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle. J'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui-oui. Ah oui, je pense que ça va être très utile. Vous ne partirez d'ici que quand vous aurez pas quelque chose de joli et de ressemblant. Voilà, ça ira bien. Oh non, pas du tout. C'est épouvantable. Voilà. Oh, Dieta. Oh, ça c'est très joli, sournois. Bon, eh bien maintenant tu peux partir. Ah, d'accord, salut. Oh, toi tu continues, Philo. Essaie encore. Coucou. Coucou. Coucou.
vais, Jim. Allons voir ce que Mirou a préparé ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiselles? Oh, oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Oh! Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi, je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. On veut jouer au football. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Il est parti. Parti? Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou! Oh! Où es-tu, coucou? Oui! Au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée! Elle est dure comme de la glace! Oh là là! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde. Vos
vos semelles sont complètement usées. Oh, dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Oh, regardez. Les soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Oh. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui-oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou! C'est l'heure de jouer à cache-cache! Cache-cache. D'accord. Cache-cache. Neuf, dix, j'arrive caché ou pas. Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé.